C'est l'endroit idéal pour s'exprimer. Il y a une bonne équipe, ça joue au football. Il y a un bon terrain. C'est un club familial, d'après ce qu'on m'a dit, mais je vais vite le découvrir. Et c'est en Ligue 1. C'est plus valorisant de faire une bonne saison en Ligue 1 qu'une bonne saison en Ligue 2. Donc je pense que c'est le bon club. Je les connais. Bah, mon deuxième match en professionnel, c'était contre les Stacks à Tours, à domicile. Donc je les connais bien. Bah, c'est là-bas que j'ai été formé. J'ai passé 5 ans là-bas quand même. Donc c'est une vie, c'est une belle ville. C'est un bon club. Je pense que ça se rapproche un peu de Troyes, un club familial. Donc c'est toujours dans mon cœur. Entraîner toute une année avec des grands joueurs, ça aide. T'apprends plus vite, deux fois plus vite même. Et les anciens te conseillent, notamment Baffé l'année dernière, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a mis en confiance. Même Dim, qui est avec son arrivée, ça m'a mis en confiance. Niveau sportif, ça a été dur, mais je pense que j'ai gagné dans la tête, mentalement. C'est une saison qui m'a beaucoup apporté. Et donc cette année, je serai prêt, je pense, sur le terrain. C'est toujours difficile de parler de soi-même, mais je pense que ma qualité première, c'est la technique, la vision du jeu, voilà, voir vite, etc. Bah, l'objectif est clair, c'est le maintien. Il faut se pérenniser ici. Et l'objectif principal, c'est le maintien. C'est un joueur qui a fait une très très belle saison il y a 2 ans à Tours. Il a un petit peu explosé. Et d'ailleurs, l'année d'après, il se retrouve à l'Olympique de Marseille. C'est pas rien quand même. C'est un garçon très technique, un meneur, mais qui peut jouer à plusieurs postes. Il a un registre offensif très, très élargi. Puis surtout, c'est un garçon sain, la tête sur les épaules, qui sait que, bien entendu, il arrive aussi dans un club de Ligue 1. C'est pas comme s'il était prêté en National ou en Ligue 2. Il arrive dans un club de Ligue 1, une équipe qui a fait une très très belle saison, où il va devoir s'imposer, il va falloir travailler dur. Il sait qu'il y a beaucoup d'exigences aussi. On n'est pas l'Olympique de Marseille, mais on travaille aussi bien. Il y a de l'attente autour de lui. On a envie qu'il reparte d'ici plus fort et qu'il nous ait fait progresser, gagner des matchs aussi. Mais voilà, il arrive après en bout de préparation. Il faut qu'il prenne ses marques un petit peu dans le groupe, dans l'équipe, qu'il s'habitue au discours du coach. Mais on est très heureux parce que c'est exactement le type de profil qu'on avait déterminé, c'est-à-dire un garçon avec un potentiel au-dessus de la moyenne. Et je crois qu'au quotidien, avec un Benjamin Nivet, il peut énormément progresser parce que c'est un savoir-faire qui a pas de prix pour un jeune joueur. Donc voilà, on est très très heureux qu'il soit avec nous. Et je vous dis, une nouvelle fois, au-delà de son talent, c'est la qualité du garçon. Voilà, un garçon la tête sur les épaules, patient, qui sait que voilà, c'est pas parce qu'il arrive de l'Olympique de Marseille que d'un claquement de doigts il va jouer chez nous, mais il a envie de montrer toute l'étendue de son talent.